C'est avec même plaisir nous rentrer la carte dans cadre 4e édition Hyper Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer. Actualité à secrétaire général KEPA Vigeonnet Demero annoncé. KEPA bien pour rencontrer secteur protestant lundi 20 juillet Kabila. Rencontre ça rentrer dans quatre batailles pour sensibiliser secteur protestant sur le processus électoral. Parti politique Fusion lancé, première édition préfac gratis pour jeunes, troisième circonscription Port-au-Prince sur le jeudi 16 juillet 2015. L'an. Activité ça a démarré lundi 20 juillet, cabine la pour vendredi 14 août, cabine la visée, former jeunes bacheliers pour faciliter l'intégration dans l'université l'État. Groupe Capapi, réfugiés Capapi haïtiens ont exprimé préoccupation sous disparition. 24 sortissants haïtiens dimanche passé dans la zone Banica en République Dominicaine. Groupe Capapi, réfugiés Capapi haïtiens ont demandé pour ressortissants haïtiens pour avoir précaution en même temps. Gagner en possession un document légal qui permet de rentrer sans difficulté sous territoire voisin. Dans le pays de l'Allemand ukrainien, transmettre par cour constitutionnelle un projet de loi qui prévoit que plus d'autonomie dans la région séparatiste, ce qui représente une mesure accord Minsk qui visait rétablir la paix dans l'est du pays Ukraine après plusieurs mois de conflit. N'absolument malgré ce rêve-là, en vigueur depuis février qui s'est passé, ça n'a pas empêché la violence de continuer surtout dans la ville de Donetsk, côté habitants à vivre à gros caisses. Ça est bon, petit là. Au revoir. Pour faire télé, soit prêt. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Oui. Toujours à travail plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. Oh. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Sans donner à mon copain. Unibank tout côté. Unibank pas pour dormir. Toujours à innover. Alpreka, Unibank tout côté, pas ou là, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 si là, si on y paraît, bail empreinte digitale ou pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service à bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Tout côté, Unibank tout côté, yes! Et tout côté, Unibank tout côté, yes, maman! Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2299-2020. Secrétaire général KEPA Vigeonnet Demero annoncé pour lundi 20 juillet qu'a venir là. Je rencontre KEPA prévoit organiser le secteur protestant. Initiative sans rentrer dans le cadre de campagne pour sensibiliser le secteur protestant sous processus électoral là. Vigeonnet Demero, c'est secrétaire général KEP, a quitté dans le micro Whitlin Eliassin avec Muller Baptiste. Semaine dernière, là, c'était pour le secteur syndical. Deux semaines avant, c'est pour le secteur femme. Semaine prochaine, c'est pour le secteur protestant. En fait, lors du secteur femme, c'est pays. C'est quand même lors du secteur syndical, c'est pays. Lors du secteur protestant, c'est 43%. Pas capable de trouver mon espace pour rencontrer tout le monde en même temps. Et aussi, ça facilite l'échange lorsque vous rencontrez de manière séparée. Il y a un pile, il y a 4 millions de protestants dans le pays. Il n'y a pas un côté dans le pays qui a rencontré tout. Tout simplement, nous disons qu'on a rencontré les représentants. Nous avons 1500 missions protestantes dans le pays. C'est-à-dire lors du baptiste, nous avons centaines de missions baptistes. Lors du méthodiste, nous avons 30 missions méthodistes. Lors du pentecôtiste, nous avons environ 850 missions pentecôtistes. Ce qui fait que nous n'avons pas qu'à rencontrer un seul. Par contre, quelle place dans le pays à capter tout ensemble. D'ailleurs, bonjour pour un bon pasteur. Bonjour pour un bon chef de mission. Bon cadre pour un bon pasteur. Bonjour pasteur à manger. Bonjour pour parler avec. Il faut traiter avec respect. Il faut mettre le chita au côté assemblé avec effort qu'il fait. 20 ans, 30 ans, 50 ans de cela pour bâtir une communauté. Il y a des communautés dans le pays, c'est pasteur à cause commune derrière non. Par exemple, on dit que Gérald Bataille. Il faut qu'on connaisse que son pasteur, qui relève Gérald Bataille, qui construit l'église en Kafoua, et Kafoua vient côté nom Gérald Bataille. Il construit la plus grande église dans la communauté. Mais là, on voit dans le monde ça, on va rencontrer avec n'importe qui, il faut montrer que lui fait effort ou reconnaître l'effort qu'il fait. D'où,
ne pas rencontrer les gens de pas de côté, ne pas rencontrer les potes qui gênent, pour rencontrer nos cadres qui respectent l'effort que nous faisons pour nous permettre de nous aller à l'école, pour nous permettre de nous mettre en santé, etc. Donc ce qui fait que ne pas rencontrer 4 millions de monde ensemble, ne pas rencontrer 1500 ensemble, et bien on prend des représentants de chaque. Et les représentants, ça a déjà le rapport. Divers candidats qui pourraient participer dans l'élection législative Yon Babanière, plateforme politique Petite Dessalines pour département de l'Ouest, dénoncer manœuvre yon fait connaître cap fait pour faire échec à l'organisation élection yon. L'intervention du candidat pour député plateforme Petite Dessalines en première circonscription Port-au-Prince Tanti Moteroni promet pour le proposer et puis voter bon Jean Loi qui pourra le faciliter. Amélioration condition de la vie population si toutefois il est arrivé remporter élection yon. Timothée Roni, c'est candidat pour député dans la première circonscription Port-au-Prince en Babanière, plateforme politique Petite Dessalines, qui t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. La conférence de presse, ça tout, c'est parce que nous sommes fait 4 ans dans la rue à dénoncer. Nous revenons à fou pour nous annoncer qui ça nous va le faire. Et je dis à tout le monde qu'on est plateforme Petite Dessalines, qui gagne en tête un paysan, un grand orateur qui est le Maurice Jean-Charles. Eh bien, nous t'es déjà chita, nous discuter, nous dialoguer, nous dit le premier bagaille pour le publier sous nous, c'est loi sous frais scolaire. Il t'est voté déjà, pas jamais un président publié, qui donc président d'accord avec nous pour publier loi ça, qui donc parent, pas gain droit payer frais d'entrée. Deuxième bagaille, nous pouvons mettre accent sous lui, c'est l'éducation. Mais comment nous-mêmes nous pouvons le faire? Nous clairement dit, en pile monde a utilisé zone ghetto, mettez les âmes dans le même monde pour faire répression. Nous-mêmes nous disons que c'est budget nous pouvons voter, c'est moyen nous pouvons mettre à disposition de l'État eh bien, pour construire l'école professionnelle dans le quartier populaire. Ça veut dire que nous avons fini l'école pour apprendre le métier. Troisième bagage, nous pouvons mettre accent sur lui, c'est la question de la santé. Et nous disons nous pouvons travailler pour mettre le budget à disposition de l'État. Pour construire l'hôpital dans le ghetto, ça veut dire que les gens prennent balle, les gens font accident, les gens prennent coup de couteau, ils n'ont pas besoin de passer misère dans l'urgence de l'hôpital général, des fois ils vont même mourir. Et l'autre bagaille qui intéresse nous encore, c'est concernant les ressources minières. Haïti possède des richesses qui sont évaluées à presque 44 milliards de dollars. Alors que nous avons besoin de 20 milliards de dollars pour nous développer le pays, ça veut dire que blanc, nous avons discuté avec elle quand même, mais c'est dans l'intérêt du pays. Côté aux jeunes loi, nous avons discuté avec elle dans le département ça, qui ça a fait. Côté aux jeunes diamants, dans le département ça, qui ça a fait. Ça veut dire département par département, Haïti doit développer. Mais toute question qui intéresse nous, en pile, nous pose la question comment nous allons défendre le dossier de la République dominicaine. Nous-mêmes nous disons que celle qui a défendu le dossier ça, c'est dans sa production nationale. Alors que tout le monde est d'accord, nous faisons la République dominicaine vendre pour presque plus de 2 milliards de dollars l'an, nous sommes plus gros partenaires économiques, alors que c'est nous-mêmes qui sommes plus humiliés, qui donc nous avons gens nous pour traiter ça. C'est peut-être ça, à travers le programme nous, nous voulons tout le monde net en général, j'en ai dit l'an, le ou la façon, voter tout candidat plateforme Petite Dessalines, c'est voter non seulement l'opposition réelle, mais surtout, c'est voter le monde qui parle pour le vrai changement. L'autre information, parti politique réparé, organisé, jeudi 16 juillet 2015, l'an, une conférence débat dans Port-au-Prince. C'était une occasion pour dirigeants réparés, nous te présenter candidat parti à qui pourra le gagner pour participer dans la prochaine élection. Selon le coordonnateur général réparé, non, parti a inscrit environ une dizaine de candidats dans le cadre de la prochaine élection. Madame Judy Sewa, c'est président parti politique réparé, qui t'a porté plus précision. Dans micro radio télé. N'a demandé population haïtienne dans côté oyé, nous gagnons l'Ester, nous gagnons petite rivière d'Antibonite, nous gagnons Mall Saint-Nicolas, nous gagnons Pétionville, nous gagnons Delma, nous gagnons première circonscription de Port-au-Prince. C'est des monde valable des jeunes qui croient dans pays et qui décident engager dans bataille pour changer le système, non? Donc, nous devons le présenter à la presse pour, comme les nouveaux soldats du changement. Parce que le travail pour nous, c'est justement goumer pour nous changer le système. Non? Pas oublier le discours réparé, c'est fun changer le système non? Pour nous refonder l'État-nation suivant la vision de Papa Noun Dessalines qui te dit faut fonder une nation côté tout le monde. Que tout nègre qui pour clair, qui pour foncer, ou capable de vivre dans bien-être et prospérité. C'est bien-être et prospérité pour tout le monde. Papa Dessalines, pas d'exclusion. Le système, ça, c'est un système d'exclusion. Il faut nous changer pour nous remplacer par un système d'inclusion.
Nous continuons avec l'information pour nous faire connaître parti politique Fusion lancée. Première édition préfac gratis pour jeunes dans la troisième circonscription Port-au-Prince, jeudi 16 juillet 2015. Activité sa cap démarrer lundi 20 juillet pour arriver vendredi 14 août. Cap vigne la visée former jeunes bacheliers pour faciliter l'intégration dans l'université de l'État. Dans l'intervention, le candidat pour poste député, troisième circonscription Port-au-Prince, Lambabanière, parti politique Fusion. Pédrica Saint-Jean souligne l'importance pour fac la gagner pour bachelier pendant les plaidé en faveur intégration plus femme dans faculté de l'État. Pédrica Saint-Jean, c'est candidat pour député 3e circonscription Port-au-Prince Lambabanière, parti politique Fusion, qui était dans le micro, Gaclins lui avec Jean-Pierre Vital. Bien formé la presse, parler écrit et télévisé et à toute population hein, que suite à 9 universités d'été que Fusion organisait déjà dans le pays, hein, Anessa, dans la troisième circonscription plus précisément, et sous demande de jeunes, depuis l'année dernière, n'a pas organisé un préfac gratis. Alors, préfac gratis, là, c'est dans le souci pour nous permettre à jeunes troisième circonscription, comme nous toujours à l'écoute de jeunes dans la troisième circonscription, hein, alors nous lancer première édition préfac ça, hein, gratis pour jeunes capables d'investir. Et faculté nous yo. Et c'est ça que fait du 20 juillet, lundi 20 juillet qu'a vinn là jusqu'à vendredi 14 juillet. Alors n'a ba yon mois de formation pour nous capable permettre jeune troisième circonscription yo à et réussir examen d'entrée yo dans préfac que nous pral citer là. N'a fait préfac là, c'est pour sciences humaines, inagé, sciences juridiques, sciences économiques, école normale, ethnologie, IERA, et pour nous capables d'encourager quota femmes nan, nous à faire tout pour sciences infirmières et pour nous gagner plus femmes tout qui rentrent dans la faculté nous. Alors normalement nous même nous toujours là, c'est en équipe, nous gagnons et comme invité nous et candidat à la députation pour Léogan, candidat à la députation pour Pétionville et deux membres de l'équipe campagne moins Fred et puis Obendi. Alors c'est ensemble nous chita pour nous penser et réaliser un mois de formation ça hein, pour nous offrir jeunes yo possibilité pour après étudier pour yo pas chita. Parce que son bagage qui toujours tenu nous à cœur, c'est parce que moi candidate à la députation pour toi-même circonscription, mais c'est parce que nous sommes toujours là pour nous à l'écoute de la population hein, et garder pour nous comment nous répondre dans des situations bien précises. L'autre information, 24 parmi 26 ressortissants haïtiens qui ont tenté de rentrer dans la République dominicaine a disparu le 12 juillet passé dans la localité qui est Banica. En pile non haïtien sao qui sorti dans département centre ressortissant haïtien ont quitté Bogbanik dimanche après-midi pour rejoindre République dominicaine pour y aller chercher travail. Selon toute information, ils ont traversé frontière dominicaine Banica en passant par localité frontalière Biassou dans le plateau central. Groupe cap appuyé réfugiés et rapatriés haïtiens ont demandé pour sortir sans prendre pile précaution. En même temps, gagner en possession un document légal qui permet de rentrer sans difficulté sur le territoire dominicain. Dirigeant Gario profite pour demander aux autorités de l'État exiger l'État dominicain prend bon genre mesure pour punir tout acte qui cible immigrants haïtiens sur le territoire dominicain. L'autre information, organisation Gonaïve réveillée dénonce façon li fait qu'on est autorité dominicaine à rapatrier massivement aux sortissants haïtiens au cap vivant République dominicaine. Dirigeant organisation fait qu'on est gagné en pile disposition qui déjà adopté dans le niveau directoire. Organisation pour porter assistance à que sortissants haïtiens au cap traverser mauvais moment sous frontière haïtiano-dominicaine pendant le fait qu'on est. Vendredi 17 juillet 2015, Gonaïve réveillé à sous frontière pour apporter assistance physiquement par ressortissants haïtiens. Kechner Petit, c'est coordonnateur général organisation Gonaïve réveillé qui t'a apporté plus précision dans le micro collaborateur nous Brinet Petit. Nous croyons que la situation est déplorable et nous-mêmes nous déjà condamnés gens yo ap repatrié voye haïtien yo tourné et nous pensé étant que moun yo pa ta supposé a passer misère ou bien
si, comment Jean yo fait yo paraître là, je comprends, parce que nous dans Gonaï réveillé, c'est une bagarre que nous prend avec en pile que nous moun pas supposé souffrir, moun pas supposé paraître comme des chiens. C'est comme on ça nous servir avec nous et nous même n'a fait tout ça nous connaît dans Gonaï réveillé pour nous porter sous nuit par nous ba yo, que ce soit en logement, que ce soit en nourriture, que ce soit en école. Parce que nous connaissons tout le monde, nous avons besoin de réhabiliter dans ce sujet. Et nous avons fait tout ça, nous sommes capables de tout, pour nous voir une façon pour nous réhabiliter nous avons. Et sous peu, je pense que ce n'est pas seul gouvernement qui peut faire ça. Mais chaque citoyen haïtien qui est concerné, mettez les mains en patte là, comme je dis, rad sale là, la vie dans la famille. Le premier moment, c'est que Gonaï Vévé compte dépasser. Aller mal passe. Ça veut dire nous aller pour nous voir exactement besoin mon yo. Et l'aime dit besoin, c'est nous connaît au besoin, mais le plus essentiel, bagaille qui pi, yo pi besoin, c'est là nous aller. Et n'a monte en roi, ceci, le monde malade ou pas le lac démon depuis. Et n'a porter quelque petit choix pour yo, mais nous pas collecter données yo. Et ceci me connaît que ti monde, gain fille qui enceinte, gain grand monde qui âgé tout. Ça veut dire nous pas regarder toute collectivité besoin que besoin yo, et laisser nous même nous carré tourner en grand genre pour nous porter plus satisfaction pour nous. Déjà nous déjà disposé moyens pour nous. Oui, nous déjà disposé moyens, c'est que comme on dit demain si Dieu veut n'a mon temps roi, et nous souhaiter que nous y avons un plat chaud, nous souhaiter que n'a bay moun yo de l'eau au bois. Parce que ça, c'est un besoin nécessaire ou pas qu'à vivre, sans pas manger. Et nous pouvons que nous commençons avec ça, mais comme je dis, nous pouvons aller aussi pour nous garder tout cadre. Parce que au monde qui a demandé dans l'église, ça va fait. Il n'y a pas de jeune. C'est mon yo et tout. Je suis supposé que quelqu'un pour dormir, même si c'est un ajout pas. Ça veut dire, si mon ça yo, l'école va l'ouvrir. Ça veut dire, si nous ne pas tenir compte. Pour nous chercher qu'on est combien de monde qui gagne ou à combien de femmes qui sont n'a pas besoin l'hôpital, n'a pas besoin clinique pour nous avoir une autre santé. Et so, en gros et en détail, c'est ça que nous pouvons faire, nous pouvons chita pour nous analyser la situation et comment nous sommes capables de répondre avec certains de ça. Certainement, bon, nous, m'pas qu'à dire vraiment, bon, moi là. Je suis capable de dire, moi là, je suis libre dans le pays, ça veut dire que je pense que l'État a fait le travail. Mais nous pouvons aller voir l'État plus ou moins pour nous dire que l'État a supporté nous du moins. Non, certainement, nous avons besoin de l'État parce qu'il faut que nous ayons sécurité dans le pays. Ça veut dire que nous pensons qu'en termes de la sécurité, l'État contribue tout, d'une part ou d'une autre. Mais en termes, nous ne pouvons pas compter sur l'État pour que yo vienne. Bon, nous, c'est la raison que c'est bon, nous, c'est que moi, c'est que nous avons dit tout le monde, et monde pas chien, on nous suspend, mettez petit bagage qui divise nous, mettez tout ça qui unit nous ensemble pour nous aider un peuple qui n'a pas impasse. Parce que si c'est dans l'Amérique, ça t'a fait, ou t'as pour ville, mère, ville, soeur, tout t'a collé ensemble. C'est que oui, nous basons Gonaïve, mais nous-mêmes, nous sommes Gonaïve. Nous voulons aller des soeurs nous, qui mal passent. Nous voulons faire le belader et nous faire le wanamen. Ça veut dire, message à tout le monde qui a regardé là, qu'on est dans le sud, qu'on est l'ouest, qu'on est quelque chose soit au nord, on cherche des soeurs par nous, mais des frères. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, vive tension dans le pays Japon après adoption, loi défense là, dans la chambre députée, un projet de loi qui gagne pour objectif renforcer le rôle militaire archipel là. Face à la décision, ça a environ 60 000 habitants manifestés dans la ville de Tokyo pour dénoncer changement ça selon eux-mêmes cap détruit principe constitution japonaise. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Controverse au Japon après l'adoption de loi de défense à la Chambre basse. Ces projets de loi du Premier ministre Shinzo Abe ont pour objectif de renforcer le rôle militaire de l'archipel, mais ils sont dénoncés par les partis d'opposition. Ces derniers ont même boycotté le scrutin. Cette réinterprétation de la constitution pacifiste rendrait possible l'envoi de forces d'autodéfense, autrement dit de l'armée nippone à l'extérieur, du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Ouvertement nationaliste, Shinzo Abe a justifié ces textes. Le contexte de sécurité, dit-il, dans lequel se trouve le Japon est de plus en plus difficile. Ces lois sont nécessaires pour protéger la vie des Japonais et prévenir une guerre avant qu'elle n'éclate.
La Chine et la Corée du Sud ont immédiatement réagi en faisant part de leur inquiétude face à des projets de loi qualifiés de sans précédent depuis 1945. 60 000 personnes ont manifesté hier à Tokyo pour dénoncer ce changement. Les projets de loi détruisent les principes de la Constitution, explique ce manifestant. Si ces projets de loi passent, cela signifie un grand changement pour le Japon qui deviendra un pays pouvant mener une guerre. Nous ne pouvons pas l'accepter pour notre pays et pour notre vie quotidienne. Nous voulons maintenant que ces projets de loi soient stoppés à la Chambre haute. Les projets de loi doivent passer à présent en Chambre haute, effectivement, où ils devraient normalement être soumis au débat pendant un maximum de 30 jours. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, le Parlement ukrainien a transmis à la Cour constitutionnelle un projet de loi qui prévoit plus d'autonomie dans la région séparatiste, ce qui représentait une mesure dans l'accord Minsk qui visait rétablir la paix dans l'est pays. Ukraine, après plusieurs mois de conflit, n'a souligné malgré trêve là en vigueur depuis février qui s'est passé. Ça n'a pas empêché la violence de continuer, surtout dans la ville de Donetsk, côté habitants à vivre à Goké sauté. Euronews a dit nous plus dans un reportage. En Ukraine, le Parlement a transmis à la Cour constitutionnelle un projet de loi prévoyant une plus grande autonomie pour les régions séparatistes. C'était l'une des mesures phares des accords de Minsk visant à rétablir la paix dans l'est du pays après des mois de conflit. Malgré la trêve en vigueur depuis février, des violences se poursuivent, notamment autour de Donetsk. Ici, les habitants vivent dans la crainte d'être touchés par un bombardement. On a peur de tout maintenant. On dort dans un sous-sol là-bas. La situation dans l'Est se serait détériorée ces derniers jours selon un porte-parole de l'armée ukrainienne. 8 soldats et 3 rebelles pro-russes ont péri en l'espace de 24 heures. Il s'agit du bilan humain le plus lourd depuis plus d'un mois. Voilà, c'est la nommée fin à 4e sortie journal nous pousse maintenant. Mais avant nous partir, n'a pas rappelé au quelques principales informations qui tapent dominé actualité. Le secrétaire général KEPA Vigionnet Demero a annoncé KEPA bien pour rencontrer secteur protestant lundi 20 juillet Kabila. Rencontre sa rentrée dans quatre batailles pour sensibiliser secteur protestant sur le processus électoral. Parti politique Fusion lancé, première édition préfac gratis pour jeunes, troisième circonscription Port-au-Prince sur le jeudi 16 juillet 2015 l'an. Actif de sa cap démarré lundi 20 juillet, cabine la pour vendredi 14 août, cabine la visée, former jeunes bacheliers pour faciliter l'intégration dans l'université, l'État. Groupe Capapie, réfugiés Capapie, haïtiens ont exprimé préoccupation sous disparition. 24 ressortissants haïtiens dimanche passé dans la zone Banica en République Dominicaine. Groupe Cap Appui Réfugiés Capapi haïtiens ont mandé pour ressortissants haïtiens pour appuyer précaution en même temps. Gagner en possession un document légal qui permet de rentrer sans difficulté sous territoire voisin. Dans le pays de l'autre bord ukrainien transmet par cour constitutionnelle un projet de loi qui prévoit que plus d'autonomie dans la région séparatiste. Ça qui représentait une mesure accord Minsk qui visait rétablir la paix dans l'est du pays. Ukraine après plusieurs mois de conflit. N'absolument malgré trêve là, en vigueur depuis février qui s'est passé, ça n'a pas empêché la violence de continuer surtout dans la ville de Donetsk côté habitants à vivre à Goké sauté. Ça est bon, Tita. C'est principales informations, diverses clôtures qui étaient faites essentielles. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.